Voiture 2, place 13A. Et voilà, donc je suis arrivé à Shin-Osaka. Vraiment, encore une fois, j'ai fait que dormir dans le train. Je me dirige vers la plateforme numéro 2. C'est là que tous les trains de la ligne Osaka-Higashi partent. Vol 15h10 Kyoji. Pas mal quand même des trains plutôt anciens comme ça, d'en voir de temps en temps. C'est la série 200-201. On passe le Haruka. Allez. Si j'explique avec la carte, là il y a Kyoto. Là, Fukui est par là, et donc Moriyama est par ici. Donc aujourd'hui j'ai fait ça, je suis monté là-bas, j'ai fait une ligne comme ça, puis je reviens ici, Shin-Osaka, la ligne Osaka-Higashi-Sen en bleu, comme ça, et après je vais prendre la ligne ici, puis comme ça faire un tour ici, revenir là, hop, aller là, revenir. Faire le tour comme ça, et là je prends le Haruka qui m'emmène comme ça et qui m'emmène hop, voilà. Ça, c'est... Et me voilà arrivé à Kyuhoji, terminus de la ligne Osaka-Higashi, et c'est une gare principale de la ligne Yamatoji. Et donc je vais prendre le Yamatoji Rapid Service qui va jusqu'à Kamo en passant par Nara. Sauf que je m'arrête un peu avant, je m'arrête à Oji. Et là, je prends un train pour Nara qui fait tout un détour par la ligne Sakurai, comme je l'ai montré tout à l'heure sur le plan à Shin-Osaka. Et bon, au lieu de me prendre une dizaine de minutes entre Oji et Nara, ça va me prendre une heure. Et le train dans lequel j'étais s'est mis en réserve là-bas, dans une voie de réserve, et il va ensuite revenir sur la voie d'en face pour repartir vers Shin-Osaka par la ligne Osaka-Higashi. Et là, il y a une situation assez classique qui est en train de se produire. C'est un local qui arrive sur une voie et qui part après le rapide service qui arrive sur l'autre voie. C'est juste une manière de laisser passer, puisque comme le rapide, il passe des arrêts, il va par conséquent plus vite. Et donc, il a besoin de doubler ce train local pour pouvoir continuer à sa vitesse.
The next stop is Oji. Station number Q31. C'est la série 227 qui a été récemment déployée sur dans le JR West. Il était déjà présent à Hiroshima et là il a été mis vers Osaka sur les lignes de Wakayama entre autres. Et donc il est tout récent, tout neuf, tout propre, tout beau. Et là en face c'est la série 221, c'est celle que j'avais prise juste avant et qui m'a amené jusqu'ici à la gare d'Oji. C'est un peu un dépôt, derrière il y a aussi un 201 qui est en train de partir. Alors lui, contrairement au précédent, il est pas du tout récent. Oui, c'est pas la série 227, ça c'est sûr. De loin, je peux vous le dire. Après, je ne connais pas exactement. Il suffit de regarder sur le côté des voitures. C'est la série 105. Voilà, c'est marqué là. 105. Hop. On va monter là-dedans jusqu'au terminus de Nara. Hop. C'est bien marqué vers Nara. Vers Takada. Sakurai Nara. Pour pas confondre. Surtout comme il est c'est pas du tout le même modèle que les autres. Voilà, donc c'est ça les long seats avec les fenêtres. On peut les ouvrir là comme ça. Ici il suffit de faire ça sur les deux côtés, ça les bloque avec les portes bagages. Encore là, voilà. Là c'est un deux voitures, la machine pour payer, le tableau des prix, la carte. Combien? Donc j'étais là, je fais comme ça, je suis venu ici et là, hop, on va faire la boucle comme ça. Après revenir comme ça, là. Hop, ça c'est la fin. Là, à l'intérieur. Très intéressant. Après une heure, je viens d'arriver à Nara avec cette série 105. Là, c'est une plateforme en île avec une voie de chaque côté. Et là, sur cette voie, on peut monter par les deux côtés. C'est pratique. Et après, de l'autre côté, c'est différent. Et du coup, je vais prendre le prochain, celui de 17h46, ici, celui d'en bas, triangle de 1 à 8. Donc là, je reprends un Yamato J Rapid Service pour jusqu'à Nishikujo, et ensuite je prendrai
un train de la ligne Sakurajima pour aller vers Universal Studios et son terminus et le terminus de la ligne Sakurajima. Hop, je suis arrivé à Sakurajima. Voilà, il y en a un là. Je repars dans 3 minutes. Sakurajima. Et cette fois, Osaka Loop Line. Jusqu'à Tennoji, va. We will soon be arriving at Nishikujo, station number P14. Doors on both sides will open. Please change here for Tenjo Shinkai. The next station is Morinomiya, station number 11, Kansai Airport, Kintetsu, Subway, and Hankai Lines. Je suis donc arrivé à Tennoji, et là il y a en fait, on peut dire deux gares. Les lignes, les voies 11 à 18 par là-bas sont en bas et vont dans les deux sens, alors que là ça s'arrête complètement. C'est les voies de 1 à 9. Donc il y a plusieurs. C'est un peu comme les terminus en Europe. On trouve ça assez rare quand même au Japon, ça. Comme Gare de Lyon par exemple, voilà, avec les trains comme ça. C'est pas mal du tout. Donc moi, mon prochain train est dans 15 minutes. Ouais, 15 minutes, c'est Limited Express Raluca. Il va directement jusqu'à Moriyama parce qu'il... Deux fois par jour, il prolonge sa route de Kyoto jusqu'à Maibara. Donc ça me permet d'être tranquille jusqu'à la fin. La nuit est tombée, donc ça sert plus à rien que je filme. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine pour un prochain rail.